Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui notre thème du jour est la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Bonjour mes amis. Salut Evelyne Evelyn. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. Avez-vous appliqué le sang de Jésus sur vous aujourd'hui? <laughs> est-ce que tu veux répondre à cette question Arden non mais Frank tu vas y répondre dans la rubrique pasteur j'ai une question, Frank tu vas répondre justement si on peut plaider le sang de Jésus pour la protection de nos biens c'est une question de Bernard de France. Eh oui, Bernard a une bonne question. On va lui répondre. Avec une bonne réponse. <laughs> oui, sûrement. <laughs> J'espère que ça va lui plaire. Bah, on espère. On espère On espère surtout que ce soit biblique, en fait. Ça devrait. <laughs> ouais, ben. Ça devrait. Tu encore quelques minutes pour travailler ta réponse. <laughs> <laughs> Nadine, tu vas nous présenter le livre de la semaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Oui, c'est un livre de César Castellanos qui s'appelle Une seule goutte du son de Jésus. C'est un livre en fait qui vient parler de la puissance du son de Jésus. Ben, on est dans le thème, c'est merveilleux. Thème, hein. merveilleux. <rire> <rire> Et Aurélie, on terminera l'émission avec non pas un mais deux témoignages. C'est comme la multiplication aujourd'hui. Exactement, deux témoignages de deux femmes différentes. Qui entrait avec le sang de Jésus aussi. On va voir ça tout à l'heure. C'est merveilleux. Donc aujourd'hui, on va parler du sang de Jésus. Je pense que ça, on l'a bien compris. On va creuser un petit peu, on va décortiquer ce sang de Jésus, à quoi il nous donne accès, pourquoi il a coulé, etc. On ne va pas rentrer dans, à profondeur dans des doctrines compliquées parce que ben, simplement, on n'a pas le temps. <laughs> C'est une émission de 40 minutes. Mm -hmm. Mais on va en tout cas faire une bonne, une bonne approche sur le sang de Jésus. Et on commence avec toi, Gwen, dans la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, nous parlons de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Rien que le sang, vous connaissez certainement ce chant. Et si on pouvait résumer en quelques mots le message de la foi chrétienne, on pourrait le faire ainsi. On pourrait dire que... Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il soit son ami et que celui-ci règne sur la terre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'homme a chuté et il s'est maudit lui-même et il a donné son autorité au diable. La troisième chose, et c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que dans 1 Timothée 2,6, il est dit Christ s'est donné lui-même en rançon. Alors retenez bien ce terme, s'est donné en rançon pour tous. Galate 3,13 nous dit Christ nous a racheté de, de la malédiction. Et bien, bien évidemment, la monnaie d'échange, donc de cette rançon, de ce rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. Mmh. Donc on peut déjà définir que c'est le sang qui nous rachète. Et ça, c'est la première des puissances. Mmh. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Et nous trouvons une vérité absolue dans le verset suivant Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est aussi puissant que ça, finalement. Nous comprenons donc euh, que sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon sans pardon il n'y a pas de salut donc le sang nous sauve et ça c'est puissant amen et la deuxième chose c'est que on parle souvent de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus vous avez certainement entendu ça et c'est une chose excellente mais on, on il ne faut pas oublier que sans le sang, il n'y a pas non plus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et d'ailleurs, Philippiens 2 nous dit et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix où son sang a coulé. C'est pourquoi donc c'est la conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu, la souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus au de tout nom parce que son sang a coulé, Dieu lui a donné le nom. Donc le sang vient avant le nom. Euh, nous, pouvons, nous voyons également que c'est euh, grâce au sang de Christ que nous sommes vainqueurs. Apocalypse 12,1 dit 12,11 dit ils ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Donc, ce passage nous parle d'une victoire perpétuelle, éternelle et disponible pour tous ceux qui ont cru. C'est une victoire tout inclue pour tous les croyants, et c'est une victoire dans le sang de Christ. La quatrième chose, c'est que l'alliance. Nous avons une alliance en son sang, et le Seigneur va nous le rappeler. Il va nous dire lorsqu'il lorsqu va avoir le, le, la sainte communion, donc le repas du Seigneur, il va nous parler de cette alliance en son sang. Matthieu 26, 28 nous dit :« Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu. » pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mmh. Notre alliance avec Dieu, c'est une alliance de sang. Ce n'est pas une alliance selon nos œuvres, les œuvres de la foi, les œuvres qu'on qu accomplit. Non, c'est une, une alliance de sang à cause de son sang. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que celui d'Abel Le sang est le sceau, c'est la garantie, l'alliance du rachat de la malédiction dont on a parlé au début de cette pensée. Donc pour, pour paraphraser, on peut dire que Dieu a écrit à l'encre du sang de Christ un testament sur lequel notre nom est inscrit, selon lequel nous héritons de toutes les bénédictions imaginables, incluant la paix avec Dieu, la guérison, la délivrance de l'emprise satanique, la prospérité sous toute forme. Et pour finir, je dirais quelques bénéfices de la puissance du sang de Christ. Écoutez bien, le sang nous redonne accès à l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la première chose et c'est glorieux. À cause de son sang, on peut récupérer cette intimité que Adam avait perdue. Le sang nous lave de nos péchés, de nos péchés passés, présents et futur. Le sang nous guérit physiquement à cause de ces meurtrissures, nous avons été guéris et psychologiquement. Le sang nous fait naître de nouveau. Le sang nous protège des attaques sataniques. Le sang de Christ nous libère de toute forme d'esclavage. Le sang de Christ nous rend cohéritier des richesses dans cette vie. Le sang nous protège euh, protège nos familles et le sang nous qualifie pour le ciel parce que nous avons cette marque de sang qui est apposée sur nous. Dieu voit que nous sommes justifiés. Et nous irons au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 C'est extraordinaire. Hein. Merci Gwen. C'est super euh, intéressante. à décortiqué vraiment. Euh, ça mériterait chaque point mériterait toute une méditation à elle seule parce que c'est très profond. Mais on réalise que vraiment le sang de Jésus, c'est pas juste euh, quelque chose de superficiel en fait. Mm. On met beaucoup l'accent sur l'œuvre de la croix, mais sans le sang, l'œuvre de la croix en fait ne représente rien. La croix n'est qu'un morceau de bois sans c'est le sang, le sang qui, qui crée que cette œuvre de la croix est si extraordinaire et qu'elle, justement, comme tu l'as dit, nous fait rentrer dans cette nouvelle alliance. Et quand je, je préparais l'émission, je cherchais le, le verset du jour j'étais impressionnée de voir le nombre de versets qui nous parlent du sang de Jésus. Mmh. La Bible en parle vraiment à, à toutes les étapes, et dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup du sang, du sang des animaux, en l'occurrence, mais on en parlait déjà. Donc on voit que, pour Dieu, le sang a une très très grande importance, c'est pas quelque chose d'optionnel, en fait. Jésus, son sang n'a pas coulé juste parce que, ben, quand on te frappe, il y a du sang qui coule, donc c'est normal. Mmh. Le sang devait couler, <coughs> pardon, il y avait une nécessité, et on, on, on va voir aujourd'hui notre verset du jour qui est dans Ephésiens 1 au verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Par son sang, donc tu l'as dit dans ta pensée, Gwen, hein, vraiment, le sang de Jésus nous accorde vraiment le pardon de nos péchés mmh. C'est ça, ça bah, le verset le dit bien. Euh, sans effusion de sang, mm -hmm. donc ça va avec celui-ci, sans oui. effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rachat. Donc on est voué à une mort éternelle sans le sang. Mm -hmm. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans toute la parole, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a, comme on, on dit souvent, un fil rouge qui traverse toute la parole, oui. où Dieu parle du sang. Et on voit qu'il y a environ, peut-être un peu moins de 400 notions, du moins dans la, dans la Bible, par exemple, second. Oui. On voit que le, 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 la mention du sang, c'est environ 400 fois. Mais il y a aussi, euh, on voit on voit dans plusieurs passages où on parle du, du fil cramoisi, mm -hmm. on voit le vêtement pourpre, on oui. voit toutes ces choses-là, et tout fait référence au sang et au rachat. Mm -hmm. Mais on peut aussi voir que dans la Genèse, par exemple, euh, le premier sacrifice, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Oui. Il a sacrifié ses animaux pour recouvrir Adam et Ève. Et on voit que jusqu'à la fin, ce qui sera présenté par l'agneau, mm -hmm. c'est le sang. C'est encore le sang. Donc aujourd'hui, c'est un message qui a perdu un petit peu... Euh, Ce n'est pas popularité. un message, disons, euh, euh, voilà, populaire dans les mm -hmm. églises, sauf que sans, les, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, un chrétien devrait certainement euh, plaider le sang on va en parler un petit peu, mais aussi valoriser le sang. Mm -hmm. Parce que l'Église apostate, l'Église de la fin des temps, celle qui a renié Christ, donc Christ va séparer les brebis des boucs, et les boucs, c'est aussi une Église, c'est l'Église de l'apostasie. Et cette Église va diminuer... La puissance du sang, parce que ce ne sera pas populaire, ne voudra pas en parler, mm -hmm. euh, va, va vraiment écarter le sang, la croix. Sauf que aujourd'hui en tant que chrétien, on ne veut pas plaire aux hommes, on veut plaire à Dieu. Mm -hmm. Et la Bible nous dit clairement que la, le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mm -hmm. Donc, on ne devrait pas avoir cette crainte mm -hmm. de parler du sang. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance par Dieu pour ceux qui croient. Amen. Et euh, je continue? Non, mais je suis sûre qu'Aurélie, elle a quelque chose à nous dire <laughs> sur ce sujet-là, parce qu'on en parlait aux rentaines, et quand Gwen <laughs> parlait, c'était là, oui, c'est vrai, oui, oui Et <laughs> elle, elle est toute silencieuse. Exprime-toi, Aurélie. <laughs> bah, moi, je vais parler par rapport à comment moi... Ce que, ce, ce que j'ai compris, en tout cas, quand on me l'a expliqué par rapport à ma vie, vu mm -hmm. qu'on est en train de parler aujourd'hui que le thème, c'est la puissance du sang de Jésus, en fait, dans la vie mm -hmm. euh, de toutes les personnes qui nous entourent, et c'est des points, en fait, aussi, euh, que Gwen a... À juste soulever dans sa pensée du jour c'est que en ce qui vraiment de ce que j'ai lu parce que quand je lis euh, l'ancien testament le nouveau testament de ce que j'ai pu comprendre aussi c'est que à chaque fois il fallait que le sang soit soit versé quelque oui. part et là euh, c'est comme une exigence divine, en mm -hmm. fait, qu'il faut que le sang soit versé. Et le sang des animaux ne, ne suffisait pas non. pour acheter un homme. Et là, Jésus intervient et il paye le prix pour toute l'humanité. Et ce sang est assez puissant, assez fort, justement pour acheter l'humanité, mais pour me racheter moi. Parce qu'ici, on, on est en train de parler de la vie des oui. gens. Et ce sang, justement, parce que Jésus a payé, euh, à, à, à son sang a coulé cette fois. Et tout, parce que ça s'est fait ainsi. Moi, j'en suis le bénéficiaire dans différents niveaux de ma vie. Gwen a parlé de, du premier niveau qui est capital le sang de Jésus me purifie de tout péché. Oui. Et le sang de Jésus nous donne cet accès au salut, en fait. Et moi, peut-être le point que je peux apporter là, euh, sur cette question, c'est que euh, c'est par rapport peut-être plus au fait que les gens peuvent mépriser le sang de Jésus et ne pas forcément euh, le valoriser ou le tenir compte pour entrer euh, dans des process, pour entrer dans différentes choses. Et Gwen disait tout à l'heure qu'on tend même dans certains milieux à enlever le sang de Jésus mm -hmm. des églises, enlever le sang de Jésus des prédications parce qu'on ne veut pas trop parler du sang. Vous voyez qu'on parle du sang, c'est pas très chouette, etc. Mais vraiment, on ne peut pas vivre une vie chrétienne en tout cas. Si euh, le sang de Jésus ne parle pas en notre faveur. Mm -hmm. ça. On ne peut pas non plus se dire qu'on est en vie, mm -hmm. même de façon générale sur la terre, si le sang de Jésus ne, ne parle pas euh, en notre faveur. Mm -hmm. Et ça, c'est un point que vraiment, moi, j'invite les gens à considérer. En fait, les gens qui nous regardent et tout, ben, le sang de Jésus, ce n'est pas. Je ne sais pas, ce n'est pas. Euh, ce n'est pas de la, la mm -hmm. sorcellerie, ce n'est mm -hmm. pas de. Je ne sais pas quoi, mm -hmm. mais ça fait partie de la vie d'un chrétien mm -hmm. que de comprendre que Jésus a la croix, mais il s'est donné son sang à couler, mais pour nous et à différents niveaux comme tout ce que Gwen a cité dans mm -hmm. votre vie. Amen. Le sang, c'est comme, comme si, en fait, on, je voulais parler du, du fait de plaider le sang sur sa propre vie mm -hmm. ou sur la vie de ses enfants, de sa famille. Le sang, en fait, c'est comme s'il si y avait une facture qui était là, qui avait été payée, qui était signée à l'encre du sang de Christ et qu'en fait, si... Euh, L'accusateur des frères venait euh, se présenter devant nous pour nous accuser pour telle et telle situation. On peut brandir cette euh, brandir, c'est ce mmh. oh, Oui. J'ai inventé un mot. Non, non. non, On oui. peut brandir cette. C'est comme une facture où c'est écrit mmh. que c'est payé okay. et c'est écrit en rouge, c'est écrit au sang de par le sang de Christ, c'est payé. Mmh. Donc même vrai. le chrétien n'est de nouveau qui aurait vécu, qui aurait péché, qui aurait eu un, euh, qui se serait écarté, il peut. Brandir cette facture parce que cette facture elle est éternelle. Mmh. Elle, est, elle, est, elle est là pour être plaidée, pour être montrée, c'est payé. Et je disais tout à l'heure en antenne que Christ n'a pas présenté les 39 coups qu'il a reçus. Il n'a pas reçu les coups, il n'a pas me présenté les coups de fouet, il n'a pas présenté la, la couronne d'épines, il n'a pas présenté le chemin du calvaire, il a présenté son sang et son sang c'est la monnaie d'échange donc aujourd'hui on peut plaider sur nos enfants Seigneur à cause du sang de Jésus je plaide le sang de l'agneau parce que tu m'as donné ces enfants par exemple sur mes enfants je le fais tu m'as donné des enfants Seigneur je plaide ton sang sur mes enfants parce que ton sang a coulé sur ma vie pour ma vie mais aussi pour ceux, pour ceux que tu m'as donné ils mmh. sont à moi mais ils sont aussi à toi et ce sang je le plaide sur leur vie afin qu'ils soient gardés en tout temps et ça c'est les choses qu'on peut, qu peut faire en tant que chrétien mmh. valoriser la puissance du sang sur nos enfants. C'est un sang qui, qui protège, qui garde et aussi qui purifie, qui justifie. Mmh, mmh. Donc c'est cette notion qu'on qu veut dire aujourd'hui, dont on veut parler, c'est que ce n'est pas une superstition. Non, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une valeur sûre et certaine et c'est la monnaie des chances du mmh. rachat. Amen. Mais j'aimais que quand il faisait sa pensée, il a parlé de, de l'aspect de la rançon. Christ est notre rançon. Et euh, dans l'Ancien Testament, on voyait que le, sacri le, 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 le sacrificateur devait préparer euh, l'offrande et tout ça. Et il y avait tout ce, 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 ce processus qui était mis en place, ces exigences que Dieu avait placées au niveau du peuple d'Israël pour, euh, pour venir vers lui. Et, au, et, et par la, la mort de Christ, ben Christ lui s'est offert en rançon. Et c'est ça, en fait, de dire que... Pour vivre une vie chrétienne puissante, il faut comprendre, ça. On fait comprendre que le sacrifice de Jésus à la croix nous a rachetés et Christ s'est offert en rançon. Et son sang qui a coulé, ce n'est pas juste une blessure, mm -hmm. c'est vraiment, il y a tout un aspect spirituel, il y a toute que... une... Il y a toute une puissance dans ce sang-là, en fait, qui est venu racheter, qui est venu, comme Aurélie l'a dit, ce verset qui dit, qui part plus que le sang des boucs et des taureaux, mmh. qui est venu faire ce sacrifice parfait. Et maintenant, au travers du sang, quand Dieu nous voit, il nous voit au travers du sacrifice de Christ à la croix. Et vraiment, pour vivre une puissante, une vie chrétienne puissante, pour comprendre notre statut, même devant l'ennemi, même devant les difficultés, on comprend qu'on est déjà, qu'on est racheté, que Christ il a payé. On n'est mmh. plus. On n'est plus kidnappé, mm -hmm. on a été racheté, il s'est donné en rançon. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre pour pouvoir vivre une vie puissante, mm -hmm. en fait. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 25. Alléluia. De même, après avoir <laughs> soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance mm -hmm. en mon sang. Mm -hmm. Et là, tu imagines les disciples qui sont là à la table mm. la nouvelle alliance. Parce que là, il devait, je vais le dire comme ça, capoter. <laughs> Mot québécois, ouais. traduction, oui, Je il sais pas, devait... Il devait trouver ça fou. Il ouais, devait trouver ouais, ça complètement il était, fou. Wow, parce que depuis Moïse, il y avait plus comme... Il y avait l'alliance qui était là, et puis Dieu a fait une alliance avec Abraham et tout, mais là, Jésus dit c'est une nouvelle alliance, mm -hmm. puis eux, ils comprenaient l'alliance la puissance ben oui, de l'alliance par ça, le ça sang beaucoup. pour nous ça nous parle pas moi ça a pris du temps avant que je comprenne <laughs> mm -hmm. l'alliance par le sang ah bon l'alliance par le sang alléluia mm -hmm. mais quand tu saisis mm -hmm. quand une alliance par le sang est faite, c'est comme c'est irrévocable je veux mm -hmm. dire c'est l'alliance qu'il a fait avec nous elle va perdurer comme quoi l'a dit mm -hmm. pour toute éternité mm -hmm. c'est tellement puissant et quand tu saisis que dans cette nouvelle alliance les promesses qui nous ont été faites sont à nous. Mm -hmm. Quand il y a une alliance qui avait été faite, quand des peuples faisaient des alliances ensemble, s'ils disaient Moi, je vais te protéger, puis moi, je vais te nourrir, ils ne pouvaient pas, pas faire ce qu'il avait dit, sinon, ils disaient Si je ne tiens pas mon bout de, de, de ce que j'ai dit, ben tue-moi, parce qu'en en fait, c'est une alliance, mm -hmm. c'est tellement fort. Mm -hmm. Et Dieu, ce qu'il nous a promis, ce que Jésus nous a racheté, nous a acquis au travers de son sang qui a coulé, ben c'est ça, c'est pour nous. Et puis, c'est quand tu saisis la nouvelle alliance que Gwen a, a, a parlé, dans la pensée, tu, ça change toutes les, les choses de ta vie en Exactement. fait. Parce que tu te dis, wow, je suis dans une alliance de sang mm. avec Dieu. Exactement. Tu te dis, waouh! Dieu, Dieu nous voit toujours au travers du sang en fait. Mm -hmm. il, nous, il nous regarde et il nous voit toujours au travers de ce sang, de l'alliance. Et c'est assez drôle, bon, on n'aurait pas le temps d'en parler plus longtemps, mais on voit que dans la parole, on voit que. Tu sais, quand, quand, quand on a lu ce verset qui dit que le sang, il parle plus que celui d'Abel, mm. on voit que déjà le sang d'Abel parlait, mm. puisque. C'était ce sang qui a attiré Dieu à aller voir, voir Cain, parce que mm -hmm. le sang d'Abel qui avait été tué mm -hmm. euh, parlait. Et on voit que tout le sang dans la Bible parle. Et à un moment, on voit que Joseph aussi est en prison. Il se retrouve avec le chef des panetiers, le chef des échansons. Et on voit qu'en fait, c'est l'image du le panetier, le pain. Le, et les l'échanson, c'est l'image du vin, en fait. Oh, Il ouais. se retrouve avec sa coupe. Mm -hmm. Le panetier va être, va être pendu, mais le, le, le chef des échansons qui représente le vin va dire un moment plus tard lorsqu'il va sortir de prison il va, il va dire au roi euh, je dois rappeler à pharaon je dois rappeler une faute c'est un sang qui rappelle en fait mmh. qui, est, qui est le sang de la justification et on voit que joseph avait dit à, ce, à, cette, à cette échanson qui est la représentation du, du vin mmh. souviens-toi de moi ouais. joseph est en prison et à cause de cette alliance qu'il y avait dans le sang c'est cette personne même qui va dire à pharaon il y a un homme en prison qui peut, euh, qui peut interpréter les songes. Donc c'était l'image que le sang parle, rappelle l'alliance, et le sang rappelle toujours l'alliance sur nos vies. Il rappelle toujours le, la justification en Christ. C'est-à-dire que dans nos vies, on peut vivre des choses difficiles, des écarts, on peut vivre toutes sortes de choses, mais Dieu nous regarde au travers du sang. Amen. Et il dit celui-ci, il est recouvert par le sang. Ouais. Celui-ci, il n'est pas ce que les gens vont <laughs> dire de lui. Celui-ci n'est pas ce fils prodigue qui s'est égaré. Celui-ci est couvert par le sang, et à cause de ce sang, il y a toute forme de possibilité pour lui, pour son rachat, pour son salut, pour sa vie éternelle. Ouais. Etc. Oui. Donc c'est une alliance. D'où la possibilité justement pour euh, le, euh, le chrétien. Il faut que le chrétien le comprenne en fait, mm -hmm. parce que la vérité, elle est établie. Et le problème euh, qu'on peut rencontrer, c'est justement l'ignorance de ce que ce sang fait dans la vie des gens. Parce que sur le plan spirituel, toutes ces choses sont des acquis. Mais quand on ne comprend pas euh, ces choses vraiment, quand on ne les prend pas pour nous, mais il y a de fortes chances justement que tu ne bénéficies pas si pas de la puissance qui est dans le sang de Jésus mm -hmm. et de cette alliance que tu as contractée avec Dieu en fait. Donc d'où la nécessité de le comprendre et de savoir en fait que pour chaque chose de la vie, pour chacune de nos situations en fait, ben, le sang de Jésus parle. Parce que comme on a dit, le sang de Jésus nous introduit dans une nouvelle alliance et cette alliance n'a rien à voir avec ce que la majorité des personnes vivent parfois dans leur quotidien. Mm -hmm. Et c'est maintenant, cette puissance intervient maintenant qu'on prend la conscience que, ah, mais tiens, là, je suis peut-être en train de vivre une, euh, des situations qui ne correspondent pas à l'alliance dans laquelle je me trouve. Mm -hmm. Et là, le sang de Jésus parle en ma faveur. Mm -hmm. Et c'est aussi pareil pour des personnes qui sont parfois... Il y a des gens que vraiment Satan accuse dans mm -hmm. leur pensée. Euh, que la culpabilité par rapport à des fautes, par rapport à différentes choses, mais c'est aussi l'occasion de se lever en disant que mais le sang de Jésus, mais a payé pour ces mm -hmm. fautes-là. Il y a des mm -hmm. gens qui souffrent encore aujourd'hui parce qu'ils ont fait des choses euh, il y a 30 ans mm -hmm. et puis ça les rattrape encore dans euh, mm -hmm. là présentement. Mais c'est non. Le sang de Jésus a déjà payé pour ces choses-là. Mm -hmm. Et accepter d'être libéré de ça et comprendre que pour tout, quelle que soit la chose dans la vie, parce que parfois on, on voit juste euh, des mondes, il y a tout ça, mais il y a aussi juste le fait de vivre dans la paix. Mm -hmm. Le sang de Jésus a payé pour ça. Mm -hmm. Gwen a parlé de réconciliation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Le sang de Jésus a payé pour ça. Mm -hmm. Donc ce pas normal qu'on vive une vie où... Euh, ben, je, je sens que je vais aller dans la présence de Dieu, ça ne fonctionne pas. Le mm. sang de Jésus parle mm -hmm. aussi pour ces choses-là. Et annule toute culpabilité. En Exactement. Fait. Donc mm -hmm. c'est de comprendre ça et de vivre euh, en rapport avec ça. Amen. Oui. Gwen, oui. Non, ce que je voulais dire, te... c'est vraiment une dernière chose. Je mm -hmm. sais que c'est que on est, dans, on est dans des temps où euh, on est dans des prédications qui, qui vont amener de la motivation et des ceci mmh. so et de cela. So on voit beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux, etc. Mais on voit que dans l'apocalypse, il y aura un agneau. On voit qu'il y aura le sang. On voit que toutes ces choses-là ne démodent jamais. Je disais en rantaine tout à l'heure que nos iPhones, nos ceci, so nos cela so démodent. Mais on veut plus prêcher ces choses, mais pourtant elles se trouvent dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans l'Apocalypse, ça ne concerne pas aujourd'hui 2019. Ça concerne la fin des temps. Mmh. Donc à la fin des temps, le sang n'aura jamais démodé. L'agneau de Dieu n'aura jamais démodé. Amen. Tout ce qui concerne la parole, ce sera jamais démodé. L'hôtel, 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 les mêmes les, les 24 vieillards, les anges, euh, les myriades de myriades, mmh. tout le monde se prosternera. Tout ce monde-là se prosternera devant l'agneau. Donc, aujourd'hui, faisons, faisons attention de conserver le vrai et le véritable mmh. message de la mmh. parole jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher sur mmh. les nuées, qu'on qu puisse conserver le véritable message. Certes, c'est bien de motiver les gens, certes, c'est bien de communiquer d'une certaine manière, mais ces choses-là ne périssent pas. Elles seront après nous, même après nous, elles seront encore là. Oui. Le sang. Parle. Amen. 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 Frank, on continue avec toi. Donc, on va voir ce ouais. sang. On en a un petit peu parlé hein, dans la discussion, mais on va approfondir un petit peu. Donc, comme je le disais, Bernard de France nous a posé une question dans la rubrique Pasteur. J'ai une question. Peut-on plaider le sang de Jésus pour la protection de nos biens Donc, on a vu le sang de Jésus au niveau de la rédemption, du pardon des péchés. Ouais. Mais au niveau de nos biens, est-ce qu'on peut le plaider, ouais. euh, Frank, pardon. Ouais, je ne suis pas Gwen. Non, <laughs> je sais pas pourquoi, mais je, vous oui, <laughs> je vous confonds souvent. vous vous ressemblez ça. beaucoup. C'est peut-être au niveau des oreilles, la ressemblance. <laughs> Donc, Bernard, merci pour la question. Et puis, euh, ben, je vais aller tout de suite, je vais essayer de garder ça simple, OK, par rapport oui, à la réponse, parce qu'on <laughs> a à peu près trois minutes. Et puis, euh, les gens vont souvent s'appuyer sur, euh, sur Exode, chapitre 11. Et on va juste mmh. lire rapidement, verset 6. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on, le, où on le mangera. Et au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je vais frapper le pays d'Égypte. Donc, passage parle d'un agneau. De, de, oui, <laughs> de l'agneau, oui, c'est ça, qui vont euh, immoler, justement, mm -hmm. pour pouvoir appliquer le sang, et puis ça servirait de protection. Mm -hmm. euh, les gens vont souvent parler de ça, mais là, on parle ici de plaider le sang de Jésus, mm -hmm. et puis, dans le mot plaider, on parle, c'est des termes plus juridiques, mm -hmm. qui vont, euh, on, on peut entendre ça, justement, est-ce que vous allez plaider, plaider coupable ou non coupable? Oui, oui. Mm -hmm. Ben nous, devant Dieu, si, si on aurait, si aurait l'accusateur, on en a parlé dans l'émission, qui nous dirait non, tu es coupable de tous tes péchés, non, moi, je plaide le sang de Jésus, mm -hmm. parce que lui, il m'a pardonné. Et j'appelle, et, et je vais le dire comme ça, quand on plaide, je me suis fait une petite phrase pour l'expliquer simplement. Mm -hmm. Quand tu plaides, c'est comme si tu invoques tes droits que tu as en tant que fils et fille de Dieu. Mm -hmm. Tout ce que le sang de Jésus t'a acquis sont tes droits légals devant Dieu. Mm -hmm. Quand tu plaides le sang de Jésus, tu invoques tes droits, en fait, oui. que le sang t'a donné. Mm -hmm. Mais alors, et, sur les biens... -ce ouais, que... c'est ça, et là, j'arrive okay. à là. Euh, donc, oui, dans tout ce qu'il nous a... <laughs> Merci, Evelyne. Dans tout ce qu'il <laughs> nous a la donné... C'est tout, c'est mon oui. travail. <laughs> Un, pour expliquer le plaidage, parce oui, que oui. les gens vont dire ça. <laughs> je plaide le sang de Jésus, je vrai. plaide le sang de Jésus. Et puis, vrai. Les gens, non, On mais je suis sérieux. Non, Ils vrai. vont dire, je plaide le sang de Jésus, oui. je plaide le sang de Jésus. Ils vont plaider euh, le matin et le soir, comme si c'est parti d'entre deux, et puis c'est correct de le faire. Vrai. Il n'y a pas de problème de plaider le sang mm -hmm. de Jésus sur tes enfants, pas mm -hmm. du tout, mm -hmm. je, je le fais, mm -hmm. mais tu dois comprendre pourquoi tu le fais. Oui. Mm -hmm. Et premièrement, et avant toute chose, tu dois le faire avec foi, mm -hmm. parce que c'est ta foi en son sang et ce que son sang t'a racheté mm -hmm. qui va faire bouger les choses dans l'esprit, ça exact. revient toujours à ça. Mm -hmm. Donc si tu dis, je plaide le sang de Jésus sur mes enfants, pour moi, ça veut dire, j'appelle la protection de Jésus du sang que son sang m'a racheté, j'appelle la protection sur la vie de mes enfants. Mm -hmm. Donc pour moi... Il faut faire attention que ça ne devienne pas... Euh, trop extrême, en voulant plaider toujours. Et mm -hmm. si tu dis pas, je plaide le sang de Jésus, ça marchera pas. C'est pas une formule magique. c'est de la superstition. Super exactement. Mm -hmm. Et pour beaucoup de gens, c'est rendu ça. Ils oui. arrivent à quelque part et ils plaident le sang de Jésus dans le restaurant. Ben, tu, tu peux le plaider ou ce que tu voudras, mm -hmm. mais comme je dis, c'est avec foi que tu le fais. Mm -hmm. Et puis oui, il y a vraiment des histoires qui sont là avant une grande tempête, des ouragans, des trucs comme ça. Ben, te plaider le sang de Jésus sur ta maison, j'ai entendu des hommes de Dieu sur leur terrain, sur les choses qu'ils avaient et ils n'ont pas été frappés parce que oui, leur droit en tant qu'enfants de Dieu, ils ont invoqué leur droit de la protection divine sur leur vie et puis ça ne l'a pas frappé. Ils ont, été, ils ont été épargnés de ces choses. Donc oui, on peut le faire, mais encore là, tu ne tombes pas dans la superstition, Bernard. Tu le fais avec foi dans ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Euh, et puis oui, tu, tu peux le faire, mais que ça ne devienne pas, c'est ça, de quoi de trop, euh, trop bizarre que mm -hmm. les gens vont plaider partout et puis que, que tu ne sais plus pourquoi tu le fais. En fait. ça. Beaucoup en Beaucoup fait, les gens ne saisissent pas pourquoi ils le font puis qu'est-ce que ça, ça veut pour, dire. Hein? Ça pourrait être formulé même différemment, que ça aurait le même effet dans le sens où... J'appelle contre... la protection voilà. sur mes biens matériels euh, qui m'a été euh, ben, acquis, à... comme je disais, euh, au travers de l'œuvre de la croix, mm -hmm. du sang de Jésus qui a coulé. Mm -hmm. J'appelle la, la, la guérison divine dans ma vie. Et puis, tu peux recevoir la guérison divine en prenant la Sainte Sainte. Ce qui mmh. représente ton alliance, mmh. le sang représente l'alliance. Tu vois, est, tout est. Mais c'est ta foi dans ces choses. C'est pas parce que je prends une petite coupe mmh. que je vais être guéri. Oui. C'est ma foi dans l'alliance dans laquelle je suis. Je relâche ma foi en recevant ce que Jésus m'a acquis au travers de son sang qui a coulé. Amen. Amen. Donc, juste pour clarifier, c'est ça que ça veut dire. Très Donc, euh, on plaide le sang de Jésus, c'est qu'on invoque nos droits légaux qu'on a reçus en tant que fils et filles de Dieu. Mmh. Pour Excellent. moi, c'est ça en général. Super. Amen. Enfin, Amen. Très bonne réponse. Merci beaucoup. On voit, c'est toujours ça, de toute manière, hein, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de superstition, mm -hmm. de paroles magiques, euh, c'est une vie de foi. Et mm. ça ramène toujours à la foi. Et la foi en quoi La foi ouais. en Dieu, la foi en l'œuvre qui a été accomplie à la croix ouais. et qui nous a donné accès à toutes ces choses extraordinaires. Merci beaucoup, Frank, pour cette très bonne réponse. Plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjainequestion.com <laughs> Nous continuons maintenant, nous allons découvrir le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Là, Alors, cette semaine. <laughs> je crois que je sais pas. <laughs> on a perdu Nadine. <laughs> Alors, cette semaine, le livre se cadre extrêmement bien avec euh, l'émission. C'est le toutes livre. Toutes les semaines. Oui, se je sais. extrêmement bien. D'accord, Evelyne. Tu choisis des super bons livres. Bravo. <rire> <rire> Une seule goutte de, du sang de Jésus de César Castellanos. César Castellanos, c'est un, un pasteur qui est à, en Colombie, à, à Bogota, qui est une très très grande église qui a parti le mouvement G12, donc un, un grand ministère qui est, qui, qui est là depuis nombreuses années. Mm -hmm. Et il a fait ce livre. Ce livre ici, en fait, c'est un petit manuel. Il y a un autre un livre qu'ils appellent le Grand Frère, un livre beaucoup plus grand, beaucoup plus euh, prof, euh, qui va plus dans les détails un livre d'études qui mm -hmm. s'appelle Victoire par le sang. Alors, si vous vous procurez ce livre, ce serait bien aussi de vous procurer l'autre pour vraiment bien comprendre. Dans ce livre ici, il fait une... Une, une étude du sang du, du, du de Jésus. Il parle, en fait, il, il prend sept, sept points le sang qui est tombé du front, le sang de son corps blessé, le sang de sa tête, de son visage, de ses mains et ses pieds, et de son côté. La Bible dit que son côté fut percé. Mm -hmm. Et son sang fut versé, et vous connaissez ce verset. Et, euh, et en fait, dans, 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 chaque, dans chaque aspect, donc on a parlé du sang qui est de la tête, qui est du, des, des pieds et tout ça, il, 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 il découle de ça une, 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 une interprétation, un, un enseignement. Par exemple, je vous donne un exemple. Le sang qui coula des mains de Jésus. Il dit ici que le psaume 22, verset 16 dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Et Exode 15, 6 dit Ta main droite, éternelle et magnifique, ta force, ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Et il parle de l'autorité, du pouvoir et de la productivité que nous on a reçu lorsque le sang a été euh, percé. Le sang a été versé à ce niveau-là. Donc en fait, dans le livre, ce qui est très bien, c'est qu'il a comme un petit schéma où est-ce qu'il y a le contexte. Donc on parle ici des mains, l'objectif, qu'est-ce qui s'est passé, l'application et les bénéfices que nous tirant de ça. Donc, on a parlé de la puissance du sang de Jésus. Et donc, il parle de chaque aspect des bénéfices qu'est-ce qu'on a acquis par le sang de Jésus qui a été coulé à la croix. C'est un manuel assez pratique. C'est un manuel pas très pratique. Ce euh, n'est pas un livre d'études ben, voilà. profondes parce que l'autre livre que j'ai dit, La victoire mmh. par le sang, c'est ça le livre qui englobe un peu, qui a produit ce petit livre ici qui est comme mmh. un manuel de voyage, je disais. <laughs> et euh, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'après, il y a des témoignages aussi. Mmh. Il y a de la prière aussi parce que là, par euh, Frank parlait de, bon, comment on peut plaider comment on peut prier tout ça et a c'était c'est une façon beaucoup plus claire de prier c'est pas on prie pas comme on l'a dit euh, en répétant de façon euh, de façon euh Machinal. Machinal, voilà. Et donc, une, une, une petite partie que je voulais vous lire, que, trouvé, que je trouvais quand même bien relevée, il dit, c'est quelques, paroles, euh, quelques caractéristiques que la parole mentionne au sujet de Jésus. Il est l'expression de la personne du Père, hébreu 1-3, il est le Verbe de, de Dieu, Jean 1-1, il est un avec le Père, Jean 10-30, en, en lui habite toute la plénitude de Dieu, donc colossiens, on en, en parle, il est éternel, il est fils de Dieu. Et il dit, l'œuvre de Jésus nous a ouvert la porte à la, à la bénédiction la plus grande qui existe, ce que nous puissions également devenir enfants de Dieu, que nous puissions devenir participants de sa nature divine. Pendant que Jésus versait ses dernières gouttes de sang mêlées à de l'eau, il, il était en train de répandre, de répandre jusqu'au bout sa vie entière. Le sceau de sa vie est qu'il qu était le Fils de Dieu et c'est pourquoi grâce à ce sang, nous pouvons nous sentir véritablement mmh. enfants de Dieu. Mmh. Donc le livre, je trouve qu'il explique très... Euh, il rend ça déjà accessible pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'est le son de Jésus. Il vient décortiquer un petit peu dans les différentes étapes, comme j'ai dit. Il vient parler de façon claire avec des objectifs, avec l'application. Et euh, bien sûr, quand vous vous procurez ce livre, avec -ce que les, les, les versets que Fra que, Frank, que Gwen a donnés pendant, pendant sa pensée, spécialement dans le livre d'Hébreu, qui parle beaucoup aussi, qui explique très bien. Donc, je trouve que tu as ce livre ici, tu as le livre d'Hébreu que tu lis avec le Saint-Esprit. Ouvre tes yeux et puis avec l'autre lit, ça va vraiment te donner une bonne compréhension et tu vas pouvoir saisir la puissance du sang de Jésus. Oh Donc, euh, une seule goutte du sang de Jésus, César Castellanos, emciboutique.com Merveilleux, merci Nadine. On continue avec la rubrique témoignage. Alors, Aurélie, tu nous as dit deux témoignages, deux femmes et deux témoignages en lien avec le sang de Jésus. Exactement. Donc, euh, la première, c'est une femme euh, qui habite euh, à Londres, en Angleterre. Elle est mère euh, de quatre enfants. Et elle dit qu'elle bah, a découvert euh, EMCI TV. Ça fait maintenant un mois euh, de la date à laquelle nous avons envoyé euh, ce message. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie C'est qu'elle avait une douleur qui était aiguë au, au niveau du ventre, qui a commencé comme ça. Et en fait, euh, cette douleur affectait son dos, sa jambe. Et en fait, ça faisait comme trois jours qu'elle avait cette douleur-là et elle souffrait euh, vraiment. Elle avait des fièvres, des maux de tête, elle n'avait plus d'appétit, etc. Et là, ses enfants commençaient vraiment à, à s'inquiéter, mmh. en fait. Et puis, elle, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a prié, elle a déclaré la guérison. Mmh. Mais il n'y avait rien visiblement qui, qui se passait. Mais elle a quand même ressenti d'aller euh, acheter. Euh, un jus de canne beige dans une épicerie. Donc c'est vraiment ce qu'elle a fait. Et puis arrivée à la maison, ben, elle a pris ce jus-là en fait. Et elle s'est retrouvée aussi en train de regarder par, euh, par la même occasion une émission euh, de prière inspirée, comment discerner nos rêves. Oui, c'était mmh. ça l'émission. Et c'était avec euh, Virginie Enfa en fait mmh. et Jérémy. Ils ont commencé à prier et tout, etc. Et puis là, elle a dit au début euh, de l'émission... Euh, elle sentait la douleur, mais quand elle, elle a commencé à apprendre en langue, etc., la douleur a complètement disparu. Mmh. Et en fait, ces douleurs ont complètement cessé après l'émission et elle a réalisé que l'acte qu'elle a posé, qui était d'aller acheter, ce jus de canne beige et de le prendre en fait sans le savoir parce qu'elle ne le savait pas vraiment mais elle elle a pris la sainte Cène. Mm -hmm. C'était euh, inspiré en fait mm -hmm. euh, par le Seigneur et elle a compris après. Donc ça c'est ce qu'elle a vécu mm -hmm. et une fois que la prière dont elle a fait l'action, elle, elle regarde, pris inspirée et juste après l'émission elle était, elle était complètement, complètement rétablie en fait. Amen. Donc ça, c'est le premier témoignage qu'on a. Elle a vraiment reçu une guérison insta instantanée comme ça. Et vraiment, c'est particulier parce que elle, elle a été dirigée, mm -hmm. malgré elle, oui. à mm -hmm. aller vraiment acheter euh, mm -hmm. ce jus et à poser mm -hmm. euh, cet acte euh, euh, de foi aussi par rapport à sa guérison. Et là, le deuxième témoignage qu'on a, c'est le témoignage euh, d'une femme, Sandra. Et puis, elle, on avait fait une émission le lundi de Pâques. Euh, que se cache-t-il euh, derrière la Sainte Seine oui. Et elle, elle avait regardé cette émission-là. Elle oui. nous a fait une petite vidéo qu'on peut euh, écouter. Je m'appelle Sandra et je voudrais témoigner du pouvoir de la Sainte Seine. Au cours de l'émission Que se cache-t-il derrière la Sainte Seine J'ai pu comprendre réellement ce qu'était la Sainte Seine. Je remercie beaucoup le pasteur Franck Poulain. Parce que, au travers de son, de son enseignement et de son témoignage, j'ai pu comprendre que la Sainte Seine n'était pas simplement une cérémonie qui est, euh, se prenait à l'église, mais que c'était aussi quelque chose que l'on pouvait faire à la maison. Et ce jour-là, au cours de l'émission, pour la première fois, j'ai pris la Sainte Seine à la maison. Et euh, je dois dire que vraiment, j'ai été exhortée par cette émission parce que j'ai reçu un enseignement qui me montrait que la Sainte Seine c'est le renouvellement de l'alliance que j'ai avec mon Seigneur Jésus-Christ, que c'est un renouvellement de l'alliance que j'ai avec mon Père Céleste et qu'au travers du Saint-Esprit qui m'avait conduit dans euh, qui m'avait conduit à voir cette émission, j'ai pu recevoir vraiment la, la, la signification de la Sainte Seine. Alors je voudrais vraiment prier que euh, toutes les personnes qui ne connaissent pas le pouvoir de la Sainte Seine puissent recevoir, soyez exhortées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, ouais, super! <laughs> oui, vraiment. Et il faut savoir que, là, elle ne le dit pas, mais les enseignements qu'elle elle avait par rapport à la Sainte Seine, elle pensait avant que prendre la Seine-Seine, c'était un nouveau baptême en fait. Oh. Et elle ne savait même pas qu'on pouvait prendre la Seine-Seine à la maison. Et c'est vraiment quand elle a regardé cette émission qu'elle a eu la compréhension de, de cette parole. Wow. Et vraiment, la Bible dit, hein, vous connaîtrez la vérité, la vérité mmh. vous rendra libre. Amen. Et c'est vraiment ça, alors qu'on parle de la Sainte Seine aujourd'hui, comme on a parlé, c'est des vérités qui libèrent mmh. beaucoup de gens, en fait, mmh. juste parce qu'ils ont cette connaissance. Mmh. Et en fait, elle aussi, elle, elle nous dit un peu ce qui s'est passé, Sandra, lorsqu'elle a, lorsqu a pris la Sainte Seine. et dit pour la première fois, je recevais la Sainte Seine, non pas parce qu'on me disait de le faire, mais parce que je désirais renouveler mon alliance avec mon Créateur. J'avais soif et faim de sa présence en moi et je comprenais ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Euh, il a donné sa vie, etc. Euh, mm -hmm, pour lui, avec lui au travers de moi, parce qu'il n'y a pas les bonnes virgules là, où il doit avoir. Mais en gros, elle dit qu'il a donné sa vie. S'il vous plaît. Vous voyez vos témoignages, voyez C'est bon, moi qui l'ai découpé. C'est moi qui l'ai découpé. C'est pas de sa faute. Donc elle dit renouveler son alliance avec son créateur. Elle avait fait sauf de sa présence. Elle comprenait en fait ce que Jésus Christ avait fait à la croix mm. et elle comprenait ce processus. Je vais m'arrêter là. <laughs> <laughs> et c'est ça, c'est que la compréhension vraiment de ce que Jésus Christ a fait vraiment, comme Frank a dit la foi mm. en l'œuvre de la croix. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est à ça qu'on invite toutes les personnes euh, qui nous regardent aujourd'hui. Exactement, Amen. oui, parce que vraiment, je vous recommande l'émission, effectivement, qu'on avait fait le lundi de Pâques hein, sur la Sainte Seine. Vous pouvez mmh. la retrouver en replay sur le site emcitv.com ou sur YouTube. C'est une excellente émission et effectivement, prenez la Sainte Seine sur le plateau, donc vous pouvez la prendre avec nous. Et euh, je veux aussi vous dire que tous ces témoignages qu'on vous partage les lundis matins, qui sont euh, formidables, vraiment à la gloire de Dieu, mais ils sont possibles parce qu'on a les moyens de produire ces émissions, on a les moyen de diffuser ces émissions et vous le savez, on est en pleine campagne de dons actuellement et je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui se sont déjà engagés à devenir partenaires vraiment dans cette œuvre parce que vraiment grâce à vous, on peut continuer cette diffusion et on peut surtout en plus aller à un autre niveau, aller plus loin. Donc euh, merci à tous ceux qui deviennent partenaires et tous ceux qui vont encore le faire. On croit vraiment que cet objectif des 8000 partenaires va être atteint très rapidement pour la gloire de Dieu et on s'en réjouit. Donc je vous rappelle notre thème principal. De cette émission, la puissance du sang de Jésus, le sang des animaux dans l'Ancien Testament couvrait les péchés, mais désormais le sang de Jésus-Christ a effacé les péchés. Il vous a rendu complètement libre et aujourd'hui vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu sans aucune trace de culpabilité. Vous êtes saint grâce au sang de Jésus. On va se retrouver demain, notre thème sera Passons à un autre niveau de communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire et on va essayer d'aller encore plus loin dans cette communion fraternelle. Et nous aurons une rubrique famille avec toi, Aurélie, tu vas nous parler de la relation entre frères et sœurs, non pas frères et sœurs en Christ, mais frères et sœurs de sang. Oui. Et ça va être super intéressant, donc on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 euros par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitvcom 8000.